Les gars sont des ministres. Ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, une des priorités de notre gouvernement de faire des investissements en sous stratégique. C'est bon pour les communautés, c'est bon pour les familles, ça réduit le coût de la vie. Il y a plusieurs initiatives que nous avons entreprises pour appuyer cette priorité. Et une de celles-ci, c'est de continuer toutes les façons d'avancer la construction des chemins de toute saison, tels que l'autoroute de la Vallée McKenzie et l'autoroute de Tlicho. Monsieur le Président, investissement dans les chemins de toute saison, plein de temps et de l'argent. Nous allons continuer à poursuivre ces projets, mais d'ici là, les chemins d'hiver, c'est un élément essentiel du système de transport de territoire du Nord-Ouest. Les collectivités à travers les Nord, depuis, grâce à ces chemins, pour transporter les gens durant les saisons froides. Aujourd'hui, je suis content de vous donner une mise à jour de la saison de chemin d'hiver de 2021 et les activités de réapprovisionnement. À chaque année, des travailleurs sur le dans Beaufort, Nocheféry et Deschaux maintiennent 4 000 chemin d'hiver, chemin de glace, traversé de glace qui relie 11 collectivités qui ne sont pas servies par les chemins toutes ces noms. C'est critique, nos chemins sont de façon essentielle. On livre les approvisionnements nécessaires dans toutes les communautés du Nord. C'est les accès et la diversité de l'économie du territoire dans l'Ouest permettent aux entreprises d'être plus concurrentielles, de tuer les coûts pour les gens du Nord. Personnellement, je voudrais remercier nos équipes d'autoroutes qui travaillent dans tous les territoires pour le travail acharné pour garder ouvert les chemins d'hiver l'année passée. Malgré la pandémie, ces équipes ont survécu des températures qui variaient et continuent à permettre à nos chemins continuent à fonctionner. Et souvent avant les jours de départ, de début normal. Le gouvernement aussi s'est fait partenariat avec le secteur privé. Spécifiquement, nous avons aligné nos ententes avec Enbridge Pipelines. L'entreprise fournit le financement aux GTNO pour accélérer la construction de traversée du verre, tuer le Wiggly et l'autre de neuf pour faciliter le déplacement d'équipement. Le gouvernement comprend l'importance des biens essentiels de l'applicable de résidents et les entreprises et les collectivités non courtiers se fient sur le diesel et le gasoline, le gaz pour produire l'électricité, le chauffage et le transport. Le GTNO est responsable pour l'achat, le transport et l'entreposage de carburant pour 16 communautés ici dans le Nord. Et ils ne sont pas servis dans le secteur privé. Les entrepreneurs locaux vendent et distribuent ces produits pétroliers dans les résidents et les entreprises. Malgré les défis de COVID-19, les résidents peuvent assurer GTNO va continuer à livrer le carburant tout en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger nos collectivités. Notre personnel, les entrepreneurs, ont mis en place des mesures de santé rigoureuses pour minimiser les risques de COVID. Tout en suivant les ordres et les recommandations de médecin-chef. Cet hiver, GTNO a fait la livraison de carburant le 1er février. On s'attend que le présent de carburant sera complété d'ici mi-mars avec 215 millions de litres de carburant livrés à cette communauté. J'aimerais reconnaître le personnel des entrepreneurs pour continuer à permettre aux collectivités d'être liées de façon efficace. Et fiable. Nous avons fait travailler avec nos partenaires du secteur privé pour maintenir un approvisionnement fiable pour les biens et les approvisionnements. Merci, M. le Président. Okay, merci. Messieurs les Présidents, je suis fier de rendre hommage à la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest à l'occasion des 23e rendez-vous de la francophonie. Cette initiative nationale qui a lieu en mars chaque année est l'occasion pour les 10 millions de francophonies du Canada et pour toute la Canadienne de célébrer et de promouvoir la langue et la culture française. Le thème des rendez-vous de la francophonie de cette année est l'Acadie, au cœur de mon pays. Nous soulignerons le fait que l'Acadie est
le lieu de naissance de la francophonie canadienne, tout en reconnaissant la présence et la contribution des peuples autochtones en Amérique du Nord depuis des milliers d'années. Monsieur le Président, alors que nous célébrons les rendez-vous de la francophonie, je tiens à souligner le travail et le dévouement des employés du secrétariat aux affaires francophones. En réponse à la COVID-19, ils se sont très vite adaptés pour fournir des traductions dans des délais serrés, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur dévouement permet aux Franco-Tainois d'avoir accès dans leur langue aux importants renseignements de la santé publique depuis le début de la pandémie. Nous les en remercions. Monsieur le Président, ce mois-ci, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral ont finalisé un accord sur les services en français. Cet accord fournit un cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et le territoire du Nord-Ouest afin d'appuyer la planification et la prestation de services et de communication de qualité en français. Il garantit également la stabilité et la continuité des services offerts aux Franco-Tainois. Monsieur le Président, notre population francophone, caractérisée par sa diversité, contribue à la richesse culturelle de nos collectivités. Je suis fier des efforts constants que nous déployons pour soutenir nos résidents francophones et solidifier la diversité de notre territoire. Merci, Monsieur le Président. Oh, OK. Déclaration des ministres. Ministre pour MACA. Je m'excuse. Je vais parler en anglais. Aujourd'hui, Monsieur le Président, j'aimerais faire une mise à jour sur le progrès pour notre engagement pour réduire les lacunes de financement. Alors, le gouvernement s'est engagé à réduire les lacunes de 5 millions et on fait un progrès significatif sur ce but. Dans l'exercice financier dernier, on a ajouté 2,594 millions pour le financement des gouvernements communautaires. MACA s'était engagé avec l'Association des communautés pour identifier de l'investissement stratégique et savoir que les écarts, c'est surtout en infrastructure. Alors, ce financement va être alloué à cette priorité et c'est vraiment, ça va être pour les 19 gouvernements de communauté qui ont des lacunes pour le financement du capital. De plus, pour l'investissement d'infrastructure, 740 000 $ a été approuvé pour 21-22, le budget pour soutenir le gouvernement communautaire pour les eaux, les égouts et les déchets solides. Alors, notre mandat, c'est plus qu'une initiative de financement et ça donne de nouvelles initiatives et possibilités pour avoir plus de revenus. En 2021, MACA, avec le ministère des Terres et le ministère des Affaires autochtones, a développé un guide pour les gouvernements municipaux, comment gérer les
territoire des frontières municipales. Ça fait partie du procès que nous allons considérer avec le GTNO, les politiques, les procédures, et ainsi nous faire avoir une meilleure position pour avoir une meilleure gestion de contrôle des territoires. Et pour qu'ils puissent avancer leur propre propriété pour développer les terres et présenter des possibilités pour revenus pour eux-mêmes. Alors, l'engagement de MACA inclut aussi travailler avec les communautés pour réduire ou stabiliser le coût de livraison de programmes et services. Cet été, on va travailler avec les communautés dans le Beaufort Delta et Satou, travailler dans les régions pour les déchets et aussi avec on a la stratégie des ressources des déchets. On va continuer dans les autres régions avec le financement fédéral pour appliquer sur ce travail. On travaille aussi à la mise en œuvre de la stratégie pour la gestion des biens pour les communautés. Cette stratégie va donner la communauté avec plus d'informations pour mettre en œuvre les pratiques exemplaires et améliorer l'entretien et diminuer les coûts d'équipement et les réparations d'urgence. Aussi, on a entraîné 6 communautés pour avoir un programme de gestion de logiciels. Alors, avec plus d'investissements pour nos communautés, je suis fière de dire qu'on est dans un bon chemin pour continuer notre engagement de mandat et on va continuer dans les années à venir pour inclure 1,7 million jusqu'à notre mandat de 5 millions. On sait qu'il y a des défis, mais on continue de revendiquer et de soutenir les priorités si c'est possible. Merci. Quels sont les ministres? Quels sont les députés? Députés de Trinidad et Tobago. Merci, Monsieur le Président. Président, aujourd'hui, je vais parler des bonnes nouvelles de cité d'habitation pour le comté de Trinidad et à travers les territoires. La semaine passée, la ministre et le sous-ministre et le député fédéral et on parlait de l'allocation de financement de construire 16 nouvelles maisons pour plusieurs communautés. C'est excellent. Monsieur le Président, le projet de construire 16 unités d'habitation dans mon comté. Il faut dire tout ce qui est content d'attendre. On conseille cette construction cette année. Je sais qu'il y a une liste d'attente qui est très longue dans ma collectivité pour les gens qui cherchent l'habitation. Ça va aider à rencontrer des demandes très fortes pour l'habitation. Lorsque j'écrivais ceci hier soir, j'ai regardé un programme, j'ai changé ma déclaration de TV, j'ai regardé un programme sur New Amsterdam, c'est un roman médical, entre telle question d'un itinérant, c'est de la fiction. J'ai toujours de penser, entre telle cette personne, ce patient, la personne était itérante, il devait $1 million à cette école, à cet hôpital, pour des tests, évaluation psychiatrique, des tests sanguins, tous les tests. Certains semblent qu'après une bonne visite du médecin, cette personne est là, tout ce qu'il avait besoin, c'est un endroit où vivre. On peut se demander quels sont les coûts pour beaucoup de nos itinérants, dans beaucoup de nos systèmes, le centre des services sociaux. Simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver quelqu'un, un appartement, un abri que bon, où je peux sentir en sécurité. C'est très important pour la santé mentale. Cette annonce, nous devrions tous nous accueillir très fort. C'est énorme, cette prononciation, et ça va vraiment nous aider avec nos mandats. Et c'est tangible. On a une tension avec MACA. C'est bon, mais il y a quelque chose qu'une fois annoncé comme un groupe, donner de l'espoir aux gens. Je crois que c'est très important d'avoir de l'espoir et montrer que les gens ont des droits, qu'on peut travailler comme équipe et accomplir quelque chose de bon. Merci, M. le Président. Le député de Northwood. Just okay.
Je veux souhaiter à tous chacun chez nous et dans la chambre une joyeuse Pâques, une bonne fin de semaine avec nos familles. On espère que le soleil de retour dans le Delta, et ensuite la chasse au printemps et la pêche. On ensuite ça dès qu'on va rentrer chez nous. À tous nos électeurs de Delta et de Nord-Côte, pensez à un printemps en sécurité. Profitez du snap de vos familles. Simplement, moi, nous sommes allés voir les courses de chiens. J'aimerais féliciter Grant Beck, Richard Beck et Brent parmi les deuxième, troisième place pour le champion de TNO. Je les connais très bien. Je suis sûr de voir les courses de chiens. Les dernières semaines, on a fait du bon travail. Nous avons fait un rapport pour adopter le budget. Il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent. Je veux remercier notre gouvernement et notre leadership. Avec nos collègues de ce côté de la Chambre, nous anticipons de continuer à faire ce que nous faisons. Monsieur le Président, non, COVID-19, ça a perdu. Tout le monde chez vous, obtenez votre vaccin. Suivez les règles de le médecin-chef. Et j'ai l'intention de faire un rapport à tous les citoyens de l'État. Député de Detcho. Merci. Alors, c'est a été une année longue avec des plans d'acquisition, de plans d'affaires et surtout le budget. Ces exercices sont nécessaires et on fait les budgets pour les différents ministères pour l'année qui s'en vient. Quand je dis que c'est difficile, parce que souvent, aller dans chacun des ministères voir le budget et on le refait dans les dernières étapes pendant le comité plénier. Alors ça veut dire toutes nous, les 19 délégués, députés qu'on travaille ensemble pour arriver avec un budget qui va être satisfait pour ce côté-ci de la Chambre et qui satisfait aussi le cabinet. Alors, Monsieur le Président, une des bénéfices de cet exercice, qu'on peut parler tous la même langue, on travaille pour le bénéfice de tous les résidents des TNO. Alors, quand on travaille ensemble sur les enjeux du budget et avoir plus de ressources pour les programmes et services pour les résidents, et c'est eux qui gagnent. Alors, similairement, on a le fardeau de trouver les ressources financières pour avoir de l'argent pour les coûts additionnels, comme la ministre l'avait dit. Les résidents des TNO, ils doivent savoir que cette Assemblée a travaille pour leur meilleur intérêt. Cette Assemblée continue d'enquêter sur les possibilités pour les entreprises du Nord et à leur tour ainsi bénéficier les résidents de TNO. Merci. Député de Tibacha. Merci. Alors aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'Assemblée jusqu'on retourne à la fin de mai. Je voudrais reconnaître tous les employés essentiels à travers les TNO et les personnels de santé et toutes dans les institutions de santé. Alors, à propos des concierges, les médecins, les infirmières, les spécialistes, les revendicateurs de patients et les travailleurs sociaux, aussi, je voudrais remercier tous mes collègues. Alors, les députés et sur le côté de cabinet pour comprendre pourquoi je suis ici, même si quelquefois je suis difficile sur eux, mais on vient d'accord, mais on n'a pas d'animosité individuelle. Et de plus,
Je veux aussi, encore une fois, remercier tout le personnel ici à la législature. Aussi, et mon propre personnel, mes assistants Priscilla et Pascal. Alors, le personnel joue un rôle essentiel pour un bon gouvernement. Alors, je le remercie pour leur travail et le dévouement. Et aussi, je veux vous remercier, vous, M. le Président. Aussi, je veux dire à tous, ayez de joyeuses Pâques. Et pour toujours, je veux remercier les électeurs extraordinaires de Fort Smith. Et je sais mon honneur d'être votre député de Tibacha. Merci. Député de Tibacha. Député de Flame Lake. Merci, M. le Président. Moi, j'essayais de creuser dans le permis de creusage, de forage professionnel. Je trouve difficile d'avoir une information utile et accessible et comment le gouvernement peut administrer des taux pour le gaz et l'huile en sans pas avoir de capacité de s'adapter au changement de la loi sur les eaux pétrolières. C'est impossible de terminer d'avoir des informations cohérentes à qui appartient le gaz et trois pages au web sur les droits des gaz, plutôt qu'une approche intégrée qui facilite la communication avec la population. Nous avons seulement une liste des numéros de permis et à disposition aucune carte pour nom d'entreprise, aucune date, seulement la collection de numéros de permis. Et nous avons un autre groupe de pages, une liste des numéros de permis, des documents. On peut chercher sur disposition le nom de l'entreprise, mais il n'y a aucune date associée aux listes, telles les dates, les régions couvertes, le travail qui a été fait, ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a des cartes qui sont désuètes, qui ont des informations qui ne sont pas liées aux utilisateurs facilement. Nous avons demandé des demandes d'expression d'intérêt durant les pétroles. On n'a aucun intérêt depuis la révolution. On peut aussi trouver des rapports de gaz et d'huile. Les cartes sont très achalandées, mais ce n'est pas lié au permis, aux activités. Monsieur le Président, il n'y a aucun facile de chercher dans un registre public pour les droits pétroliers. Sûrement, 7 ans après la révolution et 9 mois après les dispositions de transparence sont adoptées à la Chambre pour donner plus d'imputabilité pour les droits pétroliers, on devrait pouvoir faire mieux que ça. Je dois avoir toujours à quel point le registre public peut être transparent, comme par celui qu'on a pour l'Agence pour les eaux militaires ou l'Agence pour la vision de la responsabilité. Toutes les questions peuvent être comment on peut améliorer l'accès public pour les informations sur les droits pétroliers. Déclaration, député. Député de Great Slave. Merci. Alors, l'emploi dans la fonction publique, c'est ça que j'entends toujours à propos des électeurs après le logement. Alors, après avoir une offre, maintenant, il fallait qu'elle prouve qu'elle est la bonne autochtone parce qu'elle était née au Nunavut. Alors, maintenant, il faut qu'elle se prouve pour un poste d'été. Alors, ça, c'est pas bien. Alors, j'entends toutes sortes d'histoires avec les employeurs du Nord. Une de ces, c'est graduée pour, qui a étudié le dessin graphique et elle avait étudié pour 4 ans et maintenant, elle n'avait plus de bénéfices. Alors, elle a été recrutée pour travailler pour CBC avant de revenir à la maison. Quand elle est revenue dans le Nord, le poste qui était disponible, il y avait dans ce domaine. Elle a fait application, mais elle n'a pas eu. Quand elle a fait un appel, elle a dit que une nomination directe sur quelqu'un de Sud. Alors, ça, c'est un très bon exemple. C'est quelqu'un des TNO et quelqu'un du Sud avait eu le poste.
Alors, il faut travailler avec les ressources humaines et de façon proactive. Et le GTNO, on paye pour leur éducation et le talent des étudiants du Nord doit être reconnu. Alors, souvent, il y a certains domaines qu'on n'a pas, mais il faut quelquefois, mais il faut vraiment regarder à certains. Souvent, on ne fait pas les priorités pour nos TNO. Alors, souvent, on emploie les gens du Sud, mais qu'est-ce qui sont les pertes indirectement? Tout le savoir, à chaque fois que quelqu'un laisse, l'impact sur le personnel et l'impact sur les projets, parce qu'ils ne comprennent pas la géographie du Nord. Et souvent ces personnes-là restent 2 à 5 années. Alors, on paye toutes sortes de... Est-ce que je pourrais avoir un consensus pour conclure? Alors, est-ce qu'il y a des noms? Il y a des noms, vous pouvez conclure. Merci. Alors, le GTNO doit regarder à notre stratégie de recrutement et inclure nos gradués et s'assurer que les personnes du Nord soient incluses, une stratégie intégrée, pas seulement avec ressources humaines, mais aussi avec les données déjà présente dans le gouvernement. Cette stratégie devrait donner les tendances à venir et aider les gens du Nord et faire le mentorat et pour tout le planifier. Seulement quand on va investir dans nos jeunes, nous serons une réussite. Merci, Monsieur le Président. Alors, Yellowknife, non? La COP 2020 de Ville-Yellowknife a voté pour mettre fin au service d'incendie sur le chantier Ingram. Le résident leur a donné 6 mois pour trouver une autre solution. J'ai prié la ministre d'adresser ça. Ah oui, quelqu'un de MACA demande plus de temps, sachant que j'ai TNO pour trouver une solution dans une période de 6 mois. Mais le bureaucratie de TNO ne se déplace pas demain. Quelqu'un a approché le conseil de ville pour augmenter un cas. Transmettre le niveau de bureaucratie, il semble impossible. Il semblait trouver une solution avant le 1er avril. C'est impossible, malgré les meilleures intentions de la ministre. Je me suis dit, la maître prise, on aura une solution avant le 1er avril, le 23 février de cette session. La ministre a dit, j'ai fait un engagement, nous allons trouver une solution ici le 1er avril. Eh bien, demain, c'est le 1er avril, si votre maison est en feu, c'est le chantier en gris. Vous appelez 911. Personne ne va venir. Monsieur le Président, la solution qui a été présentée, c'est une option, personne ne va faire 1,7 million de dollars et 1,2 million de dollars annuellement pour être payé par les résidents de Sancier de Grimm. Si c'est ça la solution que le ministre avait en tête, j'aurais pu sauver le ministère beaucoup de temps. Personne n'allait accepter cela. C'est un problème de 1 million de dollars. Nous disons, ministère, à mes résidents, que ça n'aura pas lieu au mois d'octobre. Monsieur le Président, le ministère maintenant demande aux résidents censés de payer 4 000 $ par année pour les services d'incendie. C'est un des impôts les plus sérieux au territoire. Le ministère doit tout l'argent de récupérer des résidents. Monsieur le Président, je ne peux pas penser à un seul impôt qui est recouvert par les résidents. 85% de notre budget vient du fédéral. Ajouté de nos gouvernements, le financement vient de nous. Mais cette question, c'est payer, récupérer complètement un coût de 1,2 million de dollars pour un incendie par année. Je ne sais pas quelle solution le ministère avait en tête. Monsieur le Président, plutôt que préparer pour la perte de service, les gens ont fait confiance à la ministre et ont entendu le gouvernement qui ont dit qu'il y aurait le problème. Je suis déçu dans le document sur l'option. Je suis confus que Marco pensait qu'il passait tout ce temps-ci. Monsieur le Président, je suis déçu que nous avions violé la confiance de nos résidents. J'ai une question, Marco. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'avenir? Merci, Monsieur le Président.
Je vais parler en anglais cette fois-ci. Nous avons beaucoup un grand problème de consommation de drogue illicite au sein de notre communauté. Il y a des personnes qui viennent dans notre territoire pour vendre de la drogue et pour en distribuer. Et tout le monde connaît tout le monde. Et tout le monde sait c'est qui. Nous devons être capables de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Nous avons entendu tout au long de la pandémie que le gouvernement peut fournir du logis aux personnes qui viennent au sein de notre territoire. Mais enfin, il en donne à des vendeurs de drogue. Ils restent dans des appartements fournis par le gouvernement et ils l'utilisent pour vendre de la drogue. Il faut être capable de voir qui vend les drogues au sein de notre territoire. Il faut être capable d'aller au fond de l'histoire. Cela affecte les jeunes de notre communauté, les jeunes autochtones. Et c'est un risque. Regardez tout simplement qu'est-ce qui se passe dans nos centres de services correctionnels. Nous devons être capables de donner aux jeunes autochtones une image positive, une image où ils peuvent participer, où ils peuvent avoir des choses à l'extérieur de l'école, être capable d'avoir des activités, être capable de leur donner des emplois et leur venir en aide si jamais ils ont besoin d'aide. Monsieur le Président, le domaine des drogues illicites a beaucoup de ressources et ils n'obéissent pas à la loi. Ils ont des armes, ils ont de l'argent. Alors, Monsieur le Président, il faut être capable de s'assurer que nous soyons capables de remédier à ce problème. Monsieur le Président, la communauté de Hay River a perdu des jeunes à cause des problèmes de consommation de drogue. Les familles se demandent qu'est-ce que les policiers font? Qu'est-ce que les cours font? Comment allons-nous être capables de surmonter ce problème? Il est important de prendre ce problème au sérieux. Et c'est maintenant. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le membre de Montfouy. Merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux parler à propos, on perd beaucoup de jeunes personnes dans les TNO et aussi dans la nation Tlecho. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a perdus. Alors, quelques-uns, j'ai peut-être mentionné, mais je ne les mentionne pas tous récemment. Cette personne, notre frère, notre oncle, Freddie Bishop de Wati, pas seulement lui, mais Justin Tlecho aussi, qu'il restait quelqu'un à Bitchico. Et la semaine dernière, ils ont décédé, mais récemment, une jeune personne, David Sangree, et ses funérailles, c'est aujourd'hui. Alors, quand on regarde cette situation, aussi, on avait perdu Kelly Washi, un jeune homme récemment. Mon frère, j'ai perdu mon frère aussi. Alors, je le mentionne parce que l'alcool et l'usage des drogues illicites, on perd beaucoup de jeunes personnes à cause de l'alcool et les dépendances, la toxicomanie. On a besoin d'un centre de traitement. On en avait un. Si on avait un, peut-être que ces personnes seraient encore vivantes. On a besoin d'un centre pour les toxicomanies. Ils peuvent se guérir, commencer un processus de guérison. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la santé. Ils doivent aller dans les communautés et aller retrouver ces personnes-là.
Alors, on aurait toutes ces personnes-là vivantes si il y avait eu des travailleurs essayer d'aller dans les communautés. Comme le GTNO, on peut faire une déclaration forte. On les fait, les déclarations fortes. Quand on regarde ici par les fenêtres, on voit beaucoup de personnes qu'on perd et qu'ils décèdent. Je suis... Quand on parle, il faut vraiment parler, faire qu'est-ce qu'on dit. Alors, comme gouvernement, je veux leur envoyer un message. On veut prévenir de perdre les jeunes personnes. Il faut les retrouver. Il faut avoir toutes sortes de programmes de dépendance qu'ils peuvent utiliser. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ressources qu'ils peuvent utiliser. Mais on fait seulement parler. Je ne veux pas être debout encore ici pour dire qui est décédé. Parce que c'est très difficile pour moi de faire cela. Toutes ces personnes jeunes, on veut prier pour eux et prier pour leur famille. On veut qu'ils veulent avoir un processus de guérison. Et c'est ma déclaration de député aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, député Monfouy. Déclaration de député. Okay. Je pense que question orale. Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'ai une réponse question orale posée par le député de Nakpout le 4 mars 2021 concernant les services d'évacuation médicale dans l'année calendrier 2020. Il y avait 180 transports d'ambulance aérien, comité de Pontotoc, South Harbor, Toktoyaktuk et Pulhoktuk. Monsieur le Président, le programme de l'UNIFAC est basé en Uvique. Il y a trois équipes et avions. Il y a un avion, une équipe à Uvique. Lorsqu'on reçoit une demande, il y a une question de triage déterminée de besoin et de sérieux. L'équipe examine les ressources disponibles et envoie des avions et des équipes aux besoins. Sur les deux situations, en même temps, il y a seulement une ressource disponible. Il y a plusieurs solutions possibles. L'équipe peut j'ai un avion actuellement qui avait été envoyé à un patient de moindre priorité, envoyer un avion de Yonef si l'avion de Inuvik n'est pas disponible, et dans des cas extrêmes, contacter un autre service d'ambulance aérienne en objection, tel qu'Edmonton, pour envoyer un avion. Cette réponse a un plan de contingentement lorsqu'il y a un besoin d'avoir accès à des pilotes ou l'équipe principale peut travailler avec le fournisseur d'ambulance aérienne pour obtenir du personnel qui ne font pas partie de rotation régulière. C'est très rare, mais ça s'est fait dans le passé. Merci, M. le Président. Bonne question orale. Député de Frame Lake. Ça concerne, je vais tourner le troisième item de classe des députés pour permettre notre collègue de Frame Lake de faire sa déclaration. Depuis, je cherche consentement unanime pour tourner item 3 pour continuer la déclaration des députés, député de Frame Lake. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, collègue. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden a annoncé un plan économique qui est axé sur le transport. Sur la grande dépression, sur le Canada, le fédéral de financer les constructions des autoroutes pour stimuler l'économie. Et en inspiration de notre plan du fédéral, se dévoiler son budget le 19 avril. Je vais parler des chemins. Suivant l'autoroute de Valise-McKenzie, où ce que j'ai appris, le lien oublié de le chemin Trans-Canada. Le chemin Trans-Canada. Il faut que j'expire. L'autoroute Trans-Canada passe à travers les 10 provinces du Canada, de Victoria à Saint-John. À 7821 km, c'est le 4e chemin en longueur, le 2e au monde. Il a commencé en 1849 sous Saint-Laurent, le gouvernement du Brésil, selon l'histoire, quand ça a été complété. En 1902, sous le premier ministre Dick Baker, ici, un TNO, je suis en désaccord. Qu'on aime ça ou non, nos côtes touchent trois océans, pas deux.
Et en fait, celui d'Arctique, c'est au Canada. En 1958, Canada, le fédéral a reconnu ça. Ils sont engagés à compléter le chemin de Valdez-Mackenzie pour compléter ces chemins. C'est sûr, commencé en 1912, mais en 1917, ça a été arrêté suite à l'enquête Burger qui a commencé le moratoire de 10 ans sur l'huile et le gaz. Au cours des derniers 15 ans, on a fait un peu de travail sur cette autoroute pour des partages de coûts avec le fédéral. Ce chemin pourrait réduire le coût de vie, augmenter la sécurité de la nourriture, créer du passage sécuritaire pour les souverains de violences domestiques, brancher les familles et stimuler le développement économique, brancher le Canada avec l'Arctique. Il faut que le fédéral comprenne que dehors de 25 cents, ça ne marche pas un TNO. Notre industrie de ces, on ne peut pas faire concurrence pour avoir de l'argent. Si on doit choisir entre les stimulus économiques et les soutiens nécessaires pour guérir notre territoire, c'est cruel quand on constate la tragédie de notre histoire. Si on parle d'économie nationale, nous, dans le Nord, on a dû adopter l'ADD et joignez-nous pour maintenir ce lutte. Aujourd'hui, j'en suis au premier ministre Justin Trudeau pour compléter le Valdez-Mackenzie pour que ce soit un vrai chemin trans-Canada. Monsieur le député. Bonjour, bienvenue aux visiteurs dans la galerie. Reconnaissance. Questions orales. Depuis le Hayward South. Monsieur le Président, la drogue, c'est vrai. Les familles sont déchirées. J'aimerais poser la question suivante au ministre. Que faites-vous pour tenter de réduire ce problème au sein de nos communautés? Merci. Le ministre responsable de la Justice. Merci, Monsieur le Président. On m'a posé plusieurs fois cette question au sein de cette Chambre. Lorsqu'il y a une demande, il y a un produit. Et vous savez, partout dans le monde, on voit cette guerre contre la drogue. Nous avons besoin de soins de service, de soins de santé. Ceci étant dit, on ne peut pas tout simplement mettre le problème sous le tapis. Nous devons mettre les ressources adéquates. Et l'une des choses que notre ministère fait, c'est de travailler avec les communautés, d'élaborer des plans d'action, d'identifier des priorités. De plus, je crois que nous pouvons en faire encore plus. En tant que membre de la communauté, moi aussi j'ai des appels. Et on me dit, on me pointe quelle maison a des individus qui vendent de la drogue. On me donne cette information, on me dit qui va au-delà de nos frontières pour aller chercher ces drogues. Nous devons en faire plus. Nous devons faire plus pour régler ce problème. Je suis très heureux d'avoir ces discussions avec les départements. Nous travaillons avec la gendarmerie royale du Canada. Ils contrôlent les forces. Mais comment pouvons-nous travailler de concert avec eux? Alors, voilà ma réponse. Merci. Député de Harrow South. Merci, Monsieur le Président. Il est temps d'arrêter de parler. Nous devons faire quelque chose. Je demande au ministre la question suivante. Que pouvons-nous faire pour donner plus d'opportunités? Et comment faisons-nous pour régler ce problème? Réponse du ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Nous avons des personnes pour tenter de régler les problèmes au sein de notre communauté. Ils travaillent avec les forces de police. Ces personnes sont des personnes au sein de la communauté. Ils peuvent rapporter à la police s'il y a des crimes. Par contre, comme j'ai dit auparavant, on peut faire plus. Lorsque le département, les soins de santé, ont une nouvelle plateforme. Alors, il faut se poser la question, que pouvons-nous faire pour montrer aux citoyens qu'ils peuvent participer, qu'ils peuvent prévenir le crime, qu'ils peuvent rapporter s'il y a un crime de commis?
si jamais ils voient quelqu'un consommer la drogue ou alors en vendre. Et les policiers ont besoin de preuves pour pouvoir arrêter les individus. Voilà ce que nous faisons. Mais qu'avons-nous besoin de faire? Nous devons nous assurer que les territoires du Nord-Ouest sont le pire endroit pour les vendeurs de drogue. Député de Hewa South. Merci, M. le Président. Quelque chose que nous avons vu, c'est que les citoyens ont peur pour eux et leur famille si jamais ils dénoncent. Que peuvent-ils faire, M. le Président? Ministre de la Justice. Merci, M. le Président. Je n'ai pas cette information sur moi, mais je vais tenter de trouver la réponse pour Monsieur le député. Parce que les membres de la communauté doivent savoir qu'ils vont être soutenus si jamais ils délatent. Député de Hewa South. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la vérité, c'est que les cartels de drogue sont équipés. La question pour le ministre est la suivante. Que devons-nous faire de plus pour combattre ce fléau? Le ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. En 2018, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a signé une entente avec le gouvernement fédéral. C'est sous l'initiative des anti-gangs et armes au Canada. Et premièrement, il y a eu des fonds pour les recherches. Il y a eu des fonds qui ont été envoyés aux communautés à Fort Smith, à Hay River. Ça va à Nunavik, à Yellowknife. Et nous devons examiner et voir comment nous pouvons amener des solutions, comment nous pouvons prévenir le crime. Par exemple, en 2021-2022, il y a des propositions pour les communautés. Nous devons être capables de lancer ces projets parce que la prévention est la clé. Et les budgets doivent être toujours appuyés. Vous savez, si quelque chose arrive, les programmes peuvent arrêter d'être là. Donc, nous devons être capables de nous assurer qu'on puisse soutenir la communauté. Merci, M. le Président. Le Frame Lake, la question sur le ministre et l'industrie tourisme et investissement qui décrit ma déclaration montre un juste cohérent parce qu'on parle des droits d'exploration pétrolier. Dans tout ce temps de révolution, la décision est adoptée. Le public mérite mieux. Et jamais que dire qu'il est d'accord, qu'on devrait mieux faire quand on considère l'accès public à l'information sur les droits pétroliers. Ministre de l'Industrie. Merci, M. le Président. Je crois que c'est la première fois que le député a soulevé cette préoccupation. Je peux dire, je suis sur le site web et je fouille et je trouve que c'est assez facile. M. le Président, je ne veux pas continuer à aller en cercle. J'ai contacté à part de la déclaration du député. Je veux suggérer que le député de ce soir, avec les représentants de Haïti, examiner ce site web, analyser, comment ça ne marche pas, pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir ces conversations en maintes reprises. Député de Greenlake. Bon, je veux poser ces questions sur le pétrole, le droit pétrolier. Je suis très content de parler à la ministre, mais je crois qu'il y a au moins trois différences ensemble d'informations sur les droits pétroliers, sur les pages des WebDD, et sur l'intention d'établir un registre public qui est cohérent, et quand est-ce que cela pourra avoir lieu? C'est mon cher dit. J'écoutais tantôt certains des autres exemples qui ont été donnés. J'ai assez étudié certains des autres ressources qui ont été nommés. C'est trop difficile. Alors, ça, j'ai eu une session sur les permis et les gaz. Je crois que ça rencontre mes besoins. Je suis dans la même situation que. Je crois que c'est une question d'être suivi en général, le site web d'ITI, dans le cas suffisamment de transparence, pour rencontrer les exigences de transparence,
On veut atteindre ce but, on veut que ce soit utile pour le public. Encore une fois, je suggère que je parle aux députés. On s'assure qu'on fait le nécessaire pour que le juge atteigne tous les objectifs du public et que le public a des attentes de nous. Président Oral, député de Fenwick. Merci, M. le Président. Je vais remercier la ministre pour cela. Merci, le premier changement pour notre législation de pétrole. On pense à remplir des trous pour les dons pour les permis de pétrole. Et on a permis de beaucoup de changements, notamment de devance, mais une exigence pour un juge public. Quand est-ce que deuxième ronde de changement législatif va avoir lieu, qu'il soit une exigence pour des juges publics, pour les droits pétroliers, pour faire partie de ce travail? Merci, M. le Président. Il y a ce travail qui se fait concernant les redevances de notre secteur des minerais surtout, et on veut toujours trouver des occasions pour assurer que les systèmes, les processus qui sont en place fonctionnent efficacement. Il n'y a pas intention de viser la loi sur les réseaux pétroliers. Est-ce qu'il y a des commentaires du comité et des agences? Je ne pense plus d'autres améliorations. Je ne sais pas qu'il y a le plan pour réviser la loi, mais le travail qui se passe, est-ce qu'on s'en est redevance des ententes socio-économiques qui vont attaquer ce sujet? Si on peut faire autre chose, c'est peut-être qu'il y a des idées que le député a, c'est utile d'attendre directement pour que je puisse y répondre d'une façon plus utile que moi dire qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait pas. J'ai l'impression que c'est plus que ça que je suis peut-être conscient. Merci, M. le Président. Je le connais. J'ai un peu un avantage. J'étais dans l'Assemblée. Tout ce qu'on fait, c'est regarder les documents de discussion originale sur ce sujet. Ça a été présenté comme des changements ciblés qui allaient avoir une révision plus large plus tard. Ça a été un plaisir de parler à la ministre à ce sujet. C'était vraiment la femme, un peu que Haïti devait administrer des droits sous le service, parce que le ministère a un mandat en conflit pour développer le développement. Voilà pourquoi nous avons des visions du désastre de forage dans le golfe du Mexique. On doit avoir quelqu'un responsable de la réglementation qui fait aussi la promotion. Alors, les droits sur le service, l'administration devait transférer, selon moi, au ministère des Terres. J'ai déjà les droits de surface. Est-ce que la ministre pourrait avoir le même ministère qui gère les droits et faisant la promotion d'ici? Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Et quand il est temps que la mission des droits soit transférée à une autre agence plus appropriée? Ministre Tati. Merci, M. le Président. Le ministère, n'est pas tout seul de façon que nous gérons. Et nous avons toutes les responsabilités, on a y compris la promotion d'un secteur ainsi que la réglementation du secteur des trois territoires, à ce que je comprends. Tous les trois ont une approche semblable, de façon qu'ils ressemblent ce travail. Tous ces centres de ressources, nous avons été séparés entre gestion et gestion sur le secteur des minerais. Je n'ai pas encore de chance de visiter ça pour le secteur des ressources, des pétroliers. Mais on peut peut-être avoir le ministère des Finances ou le ministère des Finances administrer ça. Ce n'est pas rare d'avoir une responsabilité partagée et j'espère en ressources qui font ce travail, pas nécessairement des mêmes personnes. La fin de la journée, par exemple, c'est un gouvernement. Dans tout le GTNO, va faire ce travail, que ce soit un autre ministère, une autre direction de ce ministère. Il y aura les règles et les lois en place pour assurer qu'il n'y a aucun conflit, qu'ils sont transparents et que nous fournissons l'imputabilité dans un forum public, même si les différentes directions de la même ministère qui sont rôles. Merci. Député de Nunatput, je ne voulais pas poser de questions aujourd'hui, mais j'ai ma réponse à propos de Medevac dans ma circonscription. Et alors, avec la réponse de Medevac, j'ai demandé des questions pour des identifications des avions qui viennent pour les évacuations médicales. Pourquoi est-ce qu'on a seulement un avion à Inuvik?
et trois à Yellowknife. Souvent, il y en a trois à Yellowknife et deux dans Delta. Et comme ça, ils peuvent évacuer les patients quand on peut. Mais pourquoi est-ce qu'on en a juste un? Alors, c'est... Et avec des problèmes médicaux, le temps est très important. Et je sais que mes résidents dans une ACPUT, ils attendent des fois 6-7 heures parce que alors le pilote ne pouvait plus voler parce qu'il devait être en pause. Merci, Monsieur le Président. Alors, ministre de Santé. Oui, merci. Je m'excuse, je n'ai pas une réponse à la question pourquoi qu'il n'y a pas un deuxième avion à Inuvik. Je veux dire que en général, moyenne, c'est 4 heures et 31 minutes. Ça ne me dit rien, 6 heures d'attente. Député de Nunakput, oui, alors moyenne, 4 heures et demie, moyenne. Moi, j'ai des résidents qui ont attendu 6-7 heures pour l'avion. Alors, parce que c'est long, ils doivent attendre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un deuxième avion à Inuvik? On en a trois ici. Alors, ils apportent des patients à Edmonton. On a besoin d'un deuxième avion à Inuvik. Et puis d'habitude, on en avait toujours deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec Medvac. Est-ce qu'il est lourd ou il doit avoir de la clarté, plus de clarté pour ces services-là? Merci. Ministre de Santé. Merci. Alors, Monsieur le Président, ça, c'est la deuxième fois que le député a posé la question. Et c'est que moi, je n'ai pas l'information avec moi, mais je vais m'informer et faire un suivi dans la prochaine session. Merci. Député de Nunakput. Est-ce que le ministre peut reconsidérer avoir un deuxième avion à n'importe quel par à Inuvik pour la région Beaufort-Delta? Alors, s'il vous plaît. Merci. Je vais m'informer et revenir. Question orale. Député de Greatsler. Ministre responsable. Monsieur le Président, le département des finances doit travailler pour pouvoir faire la promotion des programmes de formation, les programmes pour les étudiants pendant l'été. Et j'espère que les étudiants sont en train de s'inscrire actuellement. Et aussi pour les étudiants au-delà du secondaire. Et une fois de plus, les programmes sont en ce moment en période de recrutement. Merci. Alors, question orale, député de Kingslave. Je vais être très heureux, moi aussi, je vais aider la ministre à faire la promotion de ce programme. Est-ce qu'il y a des programmes pour les étudiants du secondaire pour qu'ils puissent un jour planifier leur carrière au sein des territoires du Nord-Ouest? Réponse du ministre responsable. Monsieur le Président, oui, il y a toutes sortes de forums pour les emplois au sein de nos communautés. Et ils vont dans les écoles. Ainsi, les étudiants vont être au courant des programmes disponibles. Bien sûr, il y a nous allons être capables de faire la promotion de ces programmes. Et les étudiants vont être capables de voir toutes sortes de programmes qui sont disponibles pour eux. Il y a aussi des programmes qui sont ciblés de façon spécifique pour les jeunes venant des communautés autochtones. Il y a ce programme qui existe en ce moment. Il existe depuis quelques années et ce programme grandit et le programme va très bien.
C'est, le programme continue de s'améliorer avec le temps dans le but de pouvoir continuer à faire la formation de tous les étudiants. Donc, une fois de plus, les étudiants qui veulent continuer leurs études, il y a toutes sortes de programmes pour eux aussi. Alors, je viens de vous donner la liste de tous ces programmes, mais je vais vous dire, M. le Président, je comprends les histoires que j'entends. J'entends aussi mes concitoyens me conter toutes ces histoires, mais je veux faire la promotion de ces programmes et j'essaie aussi d'améliorer tous les programmes existants et aussi en développer des nouveaux. Merci, M. le Président. Question de la députée de Grand Slate. Monsieur le Président, alors voilà, je crois que c'est bien de voir que la ministre s'occupe de plusieurs ministères, ainsi on peut briser les silos. Comment pouvons-nous nous assurer que nous allons engager les personnes qui viennent des territoires du Nord-Ouest et ne pas engager les personnes qui viennent de l'extérieur? N'est-ce pas la meilleure façon? Parce que, vous savez, le gouvernement peut-être se fie sur le fait que si on fait grandir notre population ici, alors on va avoir plus de financement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on puisse recruter plus de personnes qui viennent de notre territoire? Réponse du ministre des Finances. Monsieur le Président, je crois que la question est similaire à celle qui avait été posée de façon précédente. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que le fait d'avoir plus de personnes dans notre territoire est la meilleure chose à faire. Nous recevons environ 30 000 $ de la part du gouvernement fédéral chaque fois qu'une personne vient habiter au sein du territoire. Mais vous savez, quand une personne vient habiter au sein du territoire, il y a aussi des coûts associés à ça. Il y a des coûts de santé, il y a des coûts d'éducation. Donc, ce n'est pas une connexion qui est exactement directe. Ce n'est pas juste un petit calcul qu'on fait de l'argent ici et là. Ceci étant dit, de faire accroître la population des territoires du Nord-Ouest est une bonne chose. Avoir plus de diversification est une bonne chose. Et de donner de l'opportunité à nos gradués est aussi une bonne chose. Alors, peut-être que je veux l'arbre et l'argent du beurre, mais je vais vous dire, il est important de s'assurer que les habitants des territoires du Nord-Ouest aient les opportunités. Il faut être capable de diversifier nos communautés et l'économie. Merci, M. le Président. Dernière question supplémentaire, député de Grand Slate. J'aime beaucoup le beurre. Alors, j'aime avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais j'aimerais la poser la question suivante. Combien d'employés en ce moment sont en transfert? Combien est-ce qu'il y a d'emplois disponibles? Comment pouvons-nous nous assurer que tous les emplois sont fournis et que les personnes ne souffrent pas? Merci, M. le Président. La ministre des Finances en réponse. Monsieur le Président, j'ai réussi à trouver la réponse. La réponse est un chiffre. En février, il y avait 708 personnes qui travaillaient. Et lorsque nous regardons en termes de faire la gestion de ces employés, de voir s'ils sont bien en fonction. J'ai vraiment une grande confiance dans les personnes des ressources humaines. Ils travaillent très fort, ils travaillent très bien, ils savent gérer ces programmes. Et lorsque nous essayons de voir tous ces chiffres, alors je vais revenir et je vais pouvoir répondre ultérieurement parce que je dois être capable de voir tous les mécanismes. Je n'ai pas accès à cela en ce moment, mais je vais répondre ultérieurement. Merci beaucoup. Question orale. Orale, député de Young Life North. Actuellement, le ministère des Affaires municipales consulte avec les directeurs de chantier d'Ingram. Ils ont l'option de payer 1,7 million de dollars pour déclencher le service d'incendie et après ça, 1,2 million de dollars par année. Je suis un peu confus. Les autres fournis, qu'il n'y a pas d'explication. Quels sont ces chiffres, d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils vont obtenir pour cela? Est-ce qu'ils vont avoir une inspiration? C'est quoi 1,7 million de dollars et plus ça de 1,2 million de dollars payerait? C'est pour acheter un camion pompier, c'est quoi au juste? Ministre du Premier municipal, merci au député pour sa question. Et c'est une revendication constante pour changer une gomme. Je veux que ce club était droit que le chantier d'Ingrid est à l'extérieur d'une municipalité.
C'est là où il y a beaucoup de cabanes et c'est une zone de création. Ce n'est pas un mot ou une communauté ou une municipalité. Mettre nos choses à l'extérieur de la frontière, je ne sais pas quel entente j'avais peut-être avec la ville. Dans les années à venir, maintenant, la ville a décidé de cesser de fournir cette entente pour changer de gomme. Vous suivez les commentaires. Le soir, nous avons des zones de construction. Et on essaie de fournir des services, ça c'est Ingram. On est conscient de temps en temps de temps de Young Life à Sensei Ingram pour lutter contre l'incendie. On prend compte de ça aussi. Mais la question à propos du financement qu'il avait demandé, 1,5 million d'euros, c'est un chiffre qui a été fourni par la ville de Young Life avec sa rétroit du personnel, les soutiens, la formation, les équipements aussi. Monsieur le Président, je crois que l'arrêté, malheureusement, les résidents qui ont bâti leur maison, qui ont vécu là pendant des décennies, avec des services d'incendie, ils s'attendaient que ça continue. Maintenant, la ville de Chétienneau lutte pour la juridiction. Donc, la ville va avoir 1,7 million de dollars pour accomplir cela. Et la perte, c'est pour les électeurs. C'est lutte par le gouvernement national. J'ai vu ça comme un problème de 1,2 million de dollars par année. Quand je pense que c'est 100 000 dollars pour construire cela, c'est un échantillon par année. Est-ce que GTNO a parlé à la ville et a offert moins d'argent pour recommencer cet engagement à un chiffre beaucoup plus raisonnable? Ministre Maka, merci. Oui, nous avons revisité. Un chiffre réduit, je veux dire, il y en a que ça coûterait pour les services d'incendie, je veux aussi. L'Ambré peut nous en parler avec le comité de DETA, qui étaient intéressés à fournir les services d'incendie aussi. Mais je veux souligner sur la distance, d'une cabane. Je sais que les gens sur le sentier Ingrid, ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas un désaccord, une municipalité, GTNO, j'ai trouvé une solution adéquate. Et il s'est amené qui nous a informé, qui va offrir le service, si on a une entente. Nous avons aussi de l'argent pour financer le service. Il y a personne qui veut fournir ce service à l'heure actuelle. Il travaille avec la police, on a systématiquement une obligation de dire. Ce service est obligatoire. Nous constatons ces concessions que vit l'Ion 9, mais d'être honnête, on parle de divers scénarios. Le GTNO fournit, Maca fournit financement aux municipalités. Nous ne fournissons pas de financement aux régions où c'est en fait plein de cabanes. Depuis l'Ion 9 North? Non. Ça résulte. Des questions qui perdurent. Le GTNO, il a donné beaucoup de personnes, des fiefs simples. Ils ont commencé à faire plus en plus de beaux. Ils ont créé une région où c'est plein de cabanes. Mais ce n'est pas désigné que quoi que ce soit. Et ceux qui sont sensibles payent des impôts toutes les années. Ils n'ont aucun service. Ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout. C'est confondant. Qui est responsable pour cela? Mais une des préoccupations, moi, j'ai que le ministère, il consulte. C'est 1,2 million de dollars par année. C'était payé complètement par les résidents du chantier, environ 4 000 dollars par année. C'est plus élevé que les impôts qu'on paye à Yonef ou toute autre collectivité. C'est un chiffre qui n'a aucune base. Comment nos régions qui sont déjà bâties sont calculées leurs impôts. Et ce ministère est prêt à payer pour une partie d'une attente qu'on pourra atteindre à l'avenir. Non, en bref. On examine une possibilité qu'en constitution de l'Union 9, nous parlons aux résidents, nous faisons un effort. Mais c'est la région bâtie, c'est des cabanes, à travers les ténos, genre de région. Ça peut être le voir.
Tandis que nous avons commencé, et ce là chaque beau, chaque bail d'une cabane, et en lutter contre ces incendies, ça c'est un grève, c'est très unique. Nous menons des conversations avec les résidents, sans un gomme. Nous continuons de parler avec le ville de Yellowknife. J'apprécie que le député soulève cette question. J'espère que nous pourrons trouver une solution. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Député de Yellowknife North. L'approche du ministère, aucun moment ce que j'étais nous à la paix pour quoi que ce soit. Ça a été bon de savoir son électeur, parce que ça change toute la conversation. Il devait approcher de l'arrivée et un commerce financier de leur propre impôt. Actuellement, les résidents sont gentils England, ils payent des impôts à 12 années, ils ne reçoivent aucun service pour ces impôts. Est-ce que le ministre peut prendre certains résidents que les résidents payent si ces impôts existent déjà? Une portion de toute entente qu'on pourra atteindre à l'avenir. Ministre de Maca, ministère de la Femme municipale, responsable pour les évaluations. On n'est pas responsable pour la collecte des impôts. Je ne veux pas. Je veux que le défrichage, les conversations qui ont lieu au mois d'octobre, novembre, décembre, c'est le résultat des conversations examinées de 1,7 million de dollars qui n'avaient pas été identifiées avant Noël. Et maintenant, nous avons les chiffres, nous essayons de travailler, président. Nous sommes présents, on fait les évaluations, on essaie de se rassembler, de trouver une solution. Et ça, on va continuer entre mon ministère et les gens du Sentier Ingram. Aussi, quand le comité d'État et la ville de Yellowknife. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font pour trouver une solution pour le Sentier Ingram. Merci, M. le Président. Merci. Alors, ma question aujourd'hui pour le ministère des TNO, la société d'habitation. J'ai parlé souvent de les résidents et la politique, les résidents demeurent dans les communautés pour... dans la communauté, dans un an avant d'ajouter leur nom. Est-ce qu'on peut parler de l'objectif de cette politique? Madame la ministre de la Société d'habitation, merci. Alors, il faut que ça soit juste et équitable à travers les TNO. Alors, si on n'a pas cette politique, on peut avoir du monde à travers le Canada venir et être sur nos listes d'attente. Et comme ça, on pourrait mal gérer et il faut les allouer à nos résidents. Alors, la liste est longue, comme vous le savez, et un des guides pour la résidence, pour les TNO, c'est pour que ça soit pour les résidents des TNO et les nouveaux qui arrivent dans les TNO. Question orale, député de Kamloops. Merci. Alors, j'apprécie la ministre, que ça soit équitable, bien sûr, c'est un bon commentaire. Oui, c'est important, mais l'équité, il faut s'asseoir pour les TNO, comme on a des problèmes avec le logement. Ils veulent l'accès pour des unités sécuritaires. Cette politique empêche les personnes du reste du Canada de se mettre sur les listes. Ça empêche aussi les résidents de TNO de se mettre sur des listes s'ils ne sont pas dans la bonne communauté. Alors, c'est pour ça que je parle de ceci. Il faut revisiter cela, je pense, à différentes personnes, même à travers le Canada. Quand on regarde notre historique, c'est dans les années 60 qui avait été adopté de d'autres familles. Et maintenant, il y en a qui veulent revenir. Il y a des personnes de Yellowknife qui veulent retourner dans leur communauté d'enfance. Et il y a des personnes qui voudraient changer de communauté ou déménager à je pense qu'il faut revisiter cela, mais je vais pas dire quels sont l'enjeu originellement, pourquoi, quelle était la logique. Madame la ministre, alors la politique, c'est pour adresser les besoins d'habitation dans cette communauté spécifiquement. Alors, j'ai eu
plusieurs demandes, des requêtes, les familles, comme par exemple avec la famille, les violences familiales, il faut relocaliser, il faut travailler avec... avec ces communautés-là. Et quelquefois, il y a des règlements de la ville pour et ceux qui retournent à l'école ou ils retournent de l'école et ils veulent garder leur unité de logement pour eux. Mais aussi, je sais que je veux dire qu'il faut une politique, il faut montrer qu'on est consistant et raisonnable. Sinon, tout va être exagéré, les listes d'attente, et on ne pourra pas travailler avec ça. Et il faut vraiment reconnaître qu'il faut voir que les personnes changent, ils voyagent, ils se déplacent, mais il faut des listes, et on a des listes d'attente, ceux qui sont locales, ceux qui sont de la communauté, et quelquefois 5, 3, 2 mois, il faut adresser toute la communauté premièrement. Question orale, député de Cam Lake. Merci. Alors, j'apprécie qu'est-ce que le ministre dit à propos de la communauté, les résidents de la communauté même en premier, bien sûr. Mais quelquefois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes vont rester dans d'autres communautés pour toutes sortes de raisons. Et il y a d'autres façons qu'on peut adresser cette politique et la faire pour que ça soit raisonnable pour nos deux points de vue ici. Est-ce qu'on pourrait garder comme... ceux qui ont peut-être des bénéfices, quelque chose au lieu de la résidence, même ceux qui ne sont pas, ou ceux qui ont un bénéficiaire des terres pourraient être sur la liste et être en priorité. Merci. Merci, Madame la ministre de Société d'habitation. Merci. La politique a créé, comme j'ai dit, être raisonnable pour tout le monde. Alors, pour les, je ne veux pas avoir des silos, je ne veux pas avoir des divisions pour la liste d'attente. Et quand je regarde, je veux dire aussi que la société d'habitation travaille avec les groupes autochtones à travers les TNO. On vient d'annoncer un investissement de 60 millions, co-investissement pour tout le territoire. Et on est ouvert à prêt à des applications pour aussi pour résoudre leurs problèmes d'habitation dans leur propre communauté. Question pour conclure. Merci. Alors, question pour conclure. Est-ce que la société d'habitation a déjà revu les conséquences de cette politique? Et oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et sinon, pourquoi pas? Et il serait prêt à faire une analyse. Madame la ministre, oui, on a parlé de cette politique. Je veux m'assurer que la politique est juste et raisonnable. À travers les TNO, j'ai vu les listes d'attente et il y en a qui sont des itinérants et qui se déplacent, ils vont trop de surpopulation. Je veux adresser cela en premier. Quand on va avoir des membres de communauté qui veulent revenir à leur communauté, ou revenir au TNO, alors il faut travailler avec eux parce que déjà, ils entrent dans une... Maintenant, on a une liste d'attente. Le besoin d'habitation, on le sait, c'est une crise presque, mais je vais élaborer, dire, pour le fonds de co-investissement. On a des grands liens avec les gouvernements autochtones. Il faut, et avec le gouvernement fédéral, alors 2028, alors, on l'a fait en 3 ans. Alors, oui, on a une crise et c'est significatif. Il faut plus d'argent pour mettre plus d'unités d'habitation. Merci. OK, lui, il va le faire. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, nous allons avoir bientôt le congé pascal ainsi que le congé du printemps. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la députée et du ministre? Est-ce qu'ils vont avoir du soutien?
la ministre responsable des municipalités et des affaires communautaires. Vous savez, au printemps dernier, le ministère a aidé les endroits qui ont été affectés. La dernière fois, quand je suis allé à Hay River, ils travaillaient sur une application faite pour aider les résidents qui étaient affectés par ce problème. Merci. Député de Harry South. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'elle n'a pas bien compris ma question. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour cette année. C'est ça que je voulais dire. À cause des gros vents et il y a eu des dommages à l'infrastructure à l'automne dernier. Beaucoup de personnes n'ont reçu aucun soutien de la part de ce gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, les gens vont s'attendre à de la compassion si jamais il y a un dégel? Ministre responsable, réponse. Oui, juste pour faire un commentaire sur la réponse que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dû soumettre une recommandation pour les eaux montantes à Hay River et pour venir en aide aux résidents qui ont été affectés. Nous avons eu une rencontre avec la ville de Hay River et je vais faire suivre ça avec le député. Hein? Député de Hayway South. Merci, M. le Président. Est-ce que le ministre peut confirmer confirmer que les décisions seront faites rapidement? Merci, M. le Président. Député responsable de MACA. Monsieur le Président, oui, nous allons, mon équipe va offrir du soutien comme nous l'avons fait à Hay River et à Forstmann. Merci, Monsieur le Président. Dernière question supplémentaire, député de Hayway South. Merci, Monsieur le Président. L'un des enjeux qui est survenu l'an dernier, c'est que les résidents ont dû être relocalisés à cause du dégel, particulièrement à Yellowknife. Et vous savez, à Housemith, on a des accommodations et les citoyens doivent être capables d'utiliser ces services. Donc, ce que je souhaite, c'est que le ministre va offrir des solutions aux citoyens pour qu'ils puissent être relocalisés où ils veulent être. Je sais qu'elle a fait un commentaire à ce sujet. Je vous remercie. Ministre responsable, en réponse. Oui, Monsieur le Président, nous travaillons en concert avec les communautés, avec les plans d'urgence. S'il y a des problèmes identifiés, nous allons continuer à travailler de concert avec les communautés. Vous savez, j'ai reçu un rapport et j'ai reçu un rapport que nous allons avoir un haut niveau de dégel pendant ce printemps-ci. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Institut de l'Investissement sur les permis pour les découvertes importantes pour Vasco-Royal. Il s'en sort un avis émis sur la C-18 de la loi sur le jeu de pétrolier. Monsieur le ministre, mais un nouveau permis pour les découvertes importantes, je ne trouve pas d'avis de ce genre-là. C'est permis d'exploitation EL195 sans être publié en gazette. C'est pas là, dans le mois de mars. Sinon, un document temporaire sur le site web d'IT qui indique que le permis de couverture d'importance 1-9-3 a peut-être été mis le 16 mars. Est-ce que la ministre peut confirmer qu'un permis de couverture d'importance 1-5-3 a été mis à Haskell le 16 mars? Ministre de l'Industrie du Tourisme et Monsieur le Président, un permis de couverture d'importance 1-9-3 a été mis. L'ancien EL194 qui était pour les opérations de Husky, et cela a été émis le 16 mars. Député de Framelake, Monsieur le ministre, pour cette réponse, c'est une semaine que j'ai suivi cette question dans la Chambre. Ce ministre me dit, si
il y a des termes et conditions d'accès permis de découverte importante que ce n'est pas affiché au site web et qui nécessite que le travail doit être entrepris. Une partie de ce permis de découverte importante ou des frais de location. Mes études. Encore une fois, M. le Président, il n'y a pas de discrétion pour émettre le permis. Non, en fait, j'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai mis le permis, c'est ce qui était fait. En ce qui concerne les frais de location tels que notés de cette instance, les conseils ont reçu dans le contexte de la situation où je n'ai aucune discrétion d'émettre le permis, mais en ce qui concerne la structure de location. Il n'y a pas justement dans la demande de soumission ou pour les documents d'exploration dont nous n'allons pas. Nous n'avons pas mis une nouvelle structure de location pour ce permis en particulier. C'est plus le numérique. Je me suis mis que aucun frais de location dans ce nouveau permis de découverte important. Importante. Elle ne pouvait pas le faire. Je vais citer le Hansud. Il n'y a pas une occasion à ce moment-ci d'imposer des items qui n'étaient pas là précédemment. Je veux dire, on n'a pas demandé ça. Durant le devant de soumission, on ne peut pas l'inclure maintenant. Là, j'ai fait un peu, j'ai creusé un peu, j'ai trouvé la demande de soumission. Je vais poser le document. Et je l'ai fourni à la ministre en avance. Il y a une citation de demande de soumission pour cette région. C'est dit, et je cite, l'occasion peut être payable sur des terres incluses dans un permis de découverte portant. Fin de citation. Voilà, M. le Président, la demande de soumission qui inclut cette clause. Il dit, vous devez payer des frais de location. La ministre avait l'occasion de poursuivre cela, le permis d'exploration. Au permis de découverte importante, pourquoi le service n'a pas inclus ce frais de location dans le permis de découverte importante qui vient d'être mis? Investissement. Le président, encore une fois, l'émission du permis n'est pas discrétionnaire. Il n'y a aucune discrétion de mettre permis d'ajouter des conditions sur la loi et on peut exiger des conditions supplémentaires avec l'accord du proposant. Ça, on ne sait pas si approche une situation qui n'aura pas lieu dans l'avenir. C'est un des derniers, sinon la dernière occasion. Est-ce que quelqu'un qui a proposé quelque chose sur le nouveau, l'ancien régime, maintenant fait partie de lui, j'ai changé l'opinion expert du ministère qui inclut, on cherchait une opinion judiciaire. Du ministère de la Justice, à partir de ce que j'entends, je devrais avoir une deuxième opinion, une troisième opinion, ou une troisième opinion judiciaire, l'opinion que nous avons reçue dans ce contexte, un format unique à ce moment-ci. Et ça ne sera pas répété, il faut construire de façon que nous avons été obligés de le faire. Dernier commentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre pour cette réponse. La difficulté de notre gouvernement. Maintenant, on va perdre 21 millions de dollars dans le revenu potentiel parce que la ministre ne voulait pas continuer les frais de location de permis d'exploration pour le permis d'exploration. 21 millions de dollars que nous aurions pu collecter, la ministre parle qu'un centre d'opinion judiciaire qui dit qu'il ne faut pas le faire. Je vais demander si la ministre peut partager cette opinion judiciaire, même s'il faut le partager confidentiel avec ce côté de la Chambre. Monsieur le Président, je ne serai pas placé à partager une opinion judiciaire confidentielle. Partager une opinion judiciaire, ça veut dire que nous allons renoncer à la confidentialité, comprendre que c'est l'approche que nous allons prendre. Orale. Je pense aux questions orales. Député de Hewitt South. Monsieur le Président,
J'ai une question. Je demande de la ministre de l'Infrastructure si elle est d'accord que c'est important, surtout pour son ministère, de visiter toutes les collectivités, de parler aux entreprises, de parler aux résidents, de déterminer qu'est-ce qui se passe. Je demande si elle est prête à venir à Haverford pour plus qu'une heure, passer quelques jours là et rencontrer certains des entreprises de Haverford. Et ça va, je sais, j'ai rencontré ça qui n'est pas passé, ils ont vraiment apprécié ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, quand est-ce qu'il revient? Alors, j'aimerais pouvoir leur dire ça. Merci, M. le Président. Ministre responsable pour l'infrastructure. Merci, M. le Président. La semaine passée, de retour au Fort Smith, j'ai saisi l'occasion de poursuivre l'autoroute 5 pour voir l'autoroute entre Fort Smith et eux. Et j'ai passé la nuit et parti en avion le matin. 20h, je passe du temps avec le député et ses amis qui avaient le petit déjeuner. Je suis où va venir le député pour retourner à la communauté et parler avec certains de ses électeurs. Je vais être député de déterminer des dates et pouvoir revenir. Je viens de là il y a quelques mois. J'ai passé quelques jours là et j'ai passé du temps avec le député. J'ai visité MTS, examiné les installations de d'énergie. J'ai trouvé un moment où je pourrais y retourner. Questions écrites. Député de Kamloops. Merci, Merci, M. le Président. La question sur le ministre responsable pour ce de l'habitation qui est nous. Il supporte les unités de logements qui sont vacantes. Est-ce que le ministre peut fournir au 31 mars le nombre d'unités d'habitation vacantes dans sa communauté pour chaque unité? Et si le ministre peut dire bon, ça fait combien de temps chaque unité est vacante? Questions écrites? Réponse aux questions écrites. Monsieur le greffier? Merci, M. le Président. J'ai une réponse aux questions écrites 25-19-2 pour le député de Nakwa le 10 mars 2021 concernant les évacuations médicales. Merci, M. le greffier. Réponse aux questions écrites. Réponse à l'adresse de la commissaire. Pétition. Rapport du comité sur l'évaluation du projet de loi. Rapport du comité permanent spécial. Rapport du comité permanent spécial. Dépôt de documents. Ministre des Finances. Monsieur le Président, je vais te poser le document suivant. Transfert dépassant 250 000 $ pour la période du 1er avril 1931-2020. Monsieur le ministre, dépôt de documents. Ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, je vais vous poser les 5 documents suivants. Lettre de suite, question orale 5-19-19-2. Santé mentale, lettre de suite, question suite 5-19-2. Système de santé et traitement en ligne. Suite, question 5-9-0. Écoute, inquiétude de santé mentale du comité. De suite, question orale 6-7-7. Vie indépendante, précaution âgée et de réponse à la question écrite. Décalage de transport de l'ambulance aérien au mois de mars 2021. Question document. La ministre pour l'infrastructure. Merci. Je veux déposer les 3 documents suivants. Le résumé de langage simple pour le projet de loi de 24, une loi pour modifier la loi de fonds de roulement, 21-22, le plan corporatif, le TNO, hydro et TNO
énergie et la lettre datée de 30 mars 2021 au ministre Archie à propos de 2021 et les dépenses immobilier. Alors, dépôt de documents, ministre d'Éducation, je veux déposer la résumée de langage 5 pour le projet de loi 25, une loi pour modifier la loi de l'éducation et dépôt de documents, ministre pour les TNO, la société d'habitation. Alors, je veux déposer la société d'habitation TNO 21-22, le budget opérationnel consolidé. Alors, dépôt de documents, député de Frame Lake. Merci. Je suis heureux de déposer deux documents. 2010-21, appel pour les nominations pour la vallée du Mackenzie Centre et le deuxième document, 2010-21, l'appel d'offres pour la vallée du Mackenzie Central. Merci. Merci. Alors, dépôt de documents. Alors, l'article 5 des régulations de la Assemblée législative, je veux déposer les résumés des absences des députés octobre 2020 et 2 février 2021. Alors, dépôt de documents, avis de motion, motion, député de Yellowknife Nord, je vais faire. Je l'ai ici. Alors, Monsieur le Président, je propose, appuyé par l'honorable député de Yellowknife Nord, que, nonobstant l'article 4, lorsque la Chambre va s'ajourner aujourd'hui jusqu'au jeudi 27 mai 2021, et de plus qu'à tout moment avant le 27 mai, si le Président est convaincu, après consultation du Conseil exécutif et des membres de l'Assemblée législative, que l'intérêt public exige que la Chambre se réunisse plus tôt au cours de l'ajournement et ou à un moment ultérieur à la reprise prévue de la Chambre, le Président peut donner un avis et sur ce, la Chambre se réunira au moment indiqué dans cet avis et traitera ses affaires comme si elle avait été ajournée à ce moment. Merci. La question, tous ceux en faveur, tous ceux contre, la motion est adoptée. On va prendre une pause pour les autres motions. Motion, député de Cam Lake, merci. Alors, pour l'article 48 de la loi des droits de l'homme pour panel pour la revue, pour le comité d'arbitrage pour la loi que les membres du panel pour un terme de 4 ans, avec l'exception de premier membre, et qu'il y a le comité d'arbitrage pour l'Assemblée législative, et elle est préparée de faire la recommandation au commissaire. Je propose, appuyé de le député Satou, que Sheldon Turner ait été recommandé pour le comité d'arbitrage des TNO, qui est en vigueur aujourd'hui pour 4 années, et de plus que Lucy Ver de Fort Smith et Jason Gupta ont été recommandés au commissaire des TNO pour nomination pour le comité d'arbitrage en vigueur aujourd'hui pour une période de 4 ans. Tous ceux en faveur, tous ceux contre, abstention. La motion est adoptée.
Océan. Une motion pour première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Prochain comité plénier du projet de loi et autres affaires. Autre comité plénier. Troisième lecture du projet de loi. Figurifié. Pour terminer, si le commissaire des territoires dans l'Ouest, Mme Margaret Tom, est prête à rentrer dans la chambre pour donner le sentiment au projet de loi. Et après ça, conduis oh. Les commandes, il faut parler en dernier. Après, je vais le mettre après si tu veux. D'habitude, elle dit quelque chose. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je pense que non. Bon de vous voir à nouveau. J'ai toute l'option depuis 2000 sur la tête de la nation et je vous remercie de cela. Famille, bonjour. Tout d'abord, je veux reconnaître que nous sommes sur la terre traditionnelle, les terres sacrées. Les Chiefs d'Oakus et les Premières Nations du Yonah, nous sommes là et bénis de travailler sur la terre traditionnelle d'un compte que nous donnons honneur à eux. C'est une bonne chance de vous voir à nouveau, ça fait longtemps. L'honneur pour moi d'être dans cette grande chambre, c'est notre gouvernement. Nous nous trouvons 12 mois dans dans une crise de santé mondiale avec le virus COVID-19, depuis le mois de mars, 11 mars, lorsque la pandémie a été déclarée. Et maintenant, il y a un vaccin pour lutter contre ça qui va sauver un nombre inouï de vies. Et nous avons tous travaillé fort pour être vaccinés, de continuer d'être diligents avec les recommandations de la santé publique et les protocoles. Mon époux et moi, nous avons tous les deux reçu
les premiers, deuxièmes doses de vaccins dont nous accourageons nos familles, nos amis, de se faire vacciner aussi. En tant que commissaire du Georges dans l'Ouest, c'était la première personne de ma communauté de Fort Providence, suivie par le chef de la maire de l'amour et le président d'armée pour avoir les premières doses du vaccin le 18 janvier 2021. J'ai hâte de recevoir le vaccin, non seulement pour ma santé et ma tranquillité d'esprit, mais être un modèle de rôle pour certains membres de la communauté qui étaient réticents de la volonté qui est acceptable et sécuritaire d'obtenir ce vaccin. Jamais dans ma vie, j'avais tellement hâte d'avoir une aiguille dans mon bras. Il faut continuer d'être extrêmement prudent et prendre toutes les précautions de santé publique selon les ordonnances de notre médecin général pour le TNO, le docteur Coca. La santé publique, les précautions et se faire vacciner va assurer la sécurité de notre santé, la santé de nos familles, nos amis et nos voisins à travers nos territoires. Il faut être diligent à quel point cette pandémie est. Et c'est très sérieux, les conséquences sont très sérieuses pour notre population et pour notre économie. Pas beaucoup de personnes sont conscients. Plusieurs gens du Nord en retraite viennent de retourner au travail et travaillent déjà très longs pour aider les cliniques de vaccins publics à travailler notre territoire. Leur dévouement, la profession d'infirmiers et infirmières, c'est tellement apprécié. Merci beaucoup. Je remercie notre gouvernement et en particulier le ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai l'impression qu'on met une date fournie régulièrement pour nous garder tous au courant pour que nous puissions prendre des décisions sages et éclairées concernant la pandémie COVID-19. Des décisions difficiles continuent de se faire pour que nous puissions tous être en sécurité et en santé. Merci beaucoup. Oui, il va venir un autre temps pour que nous pourrions nous rassembler, s'embrasser, fêter et danser à nouveau. Le printemps arrive. Nous accueillons le soleil, des heures plus longues, des activités à l'extérieur de nos foyers, dans nos bulles sociaux, nos bulles sociales. Nous devons suivre les précautions de sécurité lorsque nous voyageons et nous jouons dans cette grande terre. Donc, sachez que vous tous avez besoin d'une pause bien méritée pour respirer et pour vous fixer. Soyez bénis par des voyages à sécurité à vos maisons, vos foyers, vos familles, les communautés dans vos comtés et profitez de la saison d'hiver, la saison de Pâques joyeuse avec vos bien-aimés. Et maintenant, comme commissaire des territoires dans l'Ouest, je suis content de donner le sens réel au projet de loi suivant, projet de 3, une loi pour modifier la loi sur les voies publiques. Projet de loi 12, une loi pour modifier la loi sur les apprentis, les métiers et les associations des occupations. Projet de loi 13, une loi pour modifier la loi sur l'interprétation. Projet de loi 14, une loi pour modifier la loi sur les valeurs immobilières. Projet de loi 16, une loi pour modifier la loi sur l'impôt sur le revenu. Projet de loi 12, une loi pour modifier la loi sur les standards de travail. Projet de loi 26, une loi pour les crédits supplémentaires de dépenses d'exploitation. Numéro 3, 2020-2021.
Projet de loi 27, une loi sur les crédits supplémentaires, dépenses d'infrastructures, numéro 3, 2020 à 2021. Et projet de loi 28, loi sur les crédits, dépenses d'exploitation, 2021-2022. Merci. À l'ordre. Il veut faire les closés. Chers collègues, au nom de cette Chambre, je remercie la commissaire, l'honorable Margaret Thom, d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir de l'avoir dans cette salle. Je remercie également nos interprètes pour leur travail acharné. Et c'est grâce à leur dévouement tout au long de cette séance que nous pouvons utiliser, préserver et revisualiser nos langues. Mes chers collègues, je sais que cette séance a été longue et je veux prendre un moment pour vous remercier. Remercier chacun d'entre vous pour votre travail acharné, professionnel. Je sais que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais vous avez su travailler ensemble de façon respectueuse et collaborative dans l'intérêt de nos résidents et de notre territoire. Membres de cette salle, c'est le gouvernement de consensus. Voici un gouvernement de consensus en action. Merci. Nous n'aurions pas été en mesure d'accomplir notre travail sans les entrepreneurs et le personnel de l'Assemblée législative, ainsi que le personnel de tout le gouvernement. Leurs efforts nous permettent de réussir dans notre travail et je veux prendre le temps de les remercier pour leur contribution. Mes chers collègues, les jours froids et sombres de l'hiver sont derrière nous. Et à l'approche du printemps, les journées deviennent plus chaudes et plus longues. Beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos électeurs vont se rendre sur leur terrain pour participer aux chasses du printemps. Si vous êtes sur ces terres, je vous encourage à être prudent, rester sobre et à chasser avec respect. Et enfin, je veux rappeler à tous les résidents de continuer à être vigilants en ce qui concerne la situation actuelle de la COVID-19. En tant que territoire, nous avons eu beaucoup de chance. J'encourage donc tous les membres et les résidents à poursuivre leurs efforts diligents pour combattre la propagation de la COVID-19. Merci, chers collègues. Monsieur le greffier, ordre du jour, après les ordres. Avis de motion. Motion. Avis de motion. Première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Conseil du comité plénier. Projet de loi et autres affaires. Rapport du comité plénier. Troisième lecture du projet de loi. Ordre du jour.
Merci, M. Gravier. Écoutez, je veux dire, souhaitez un joyeux Pâques et voyagez en sécurité. Je chante la journée jusqu'à jeudi le 27 mai 2021 à 13h30. Le 27 mai. Ouais. Moi, là, ouais. J'ai mon voyage.